Eh bien salut tout le monde, je suis ici le Biscuit de l'audio, on se retrouve pour une vidéo de ma série présentation de vos ressources pack. Aujourd'hui je vais vous présenter le pack Seaki Pack version finale qui m'a été envoyé par Seaki PVP. Voilà, merci à toi et bah, aujourd'hui j'ai pas grand chose à vous dire donc je vais pas vous casser la tête. On va commencer directement. Donc il a changé vraiment pas mal de choses dans le pack puisqu'il m'avait déjà envoyé une version et du coup il a fait une autre version, il a changé énormément de choses. Je vous montre un peu, voilà tout ça, c'est le geek est bien stylé. Le logo aussi du ressource pack est vraiment pas mal, regardez. C'est l'équipe pack version trop finale, regardez, il m'en avait fait un autre, mais voilà, il a changé plein de trucs. Il y a un truc aussi que je dis avant de commencer, c'est que il a mis des musiques, en fait, quand tu actives la musique, et bah, il y a des musiques connues, tu vois. J'en ai écouté deux ou trois, elles sont pas mal. Après, c'est chacun ses goûts, elles sont pas mal. Mais je vais pas y mettre pendant la vidéo parce que je pense que je crois que c'est des musiques copyright. Donc, je vais pas avoir de blème avec YouTube. Donc, on va pas y mettre. Mais juste, voilà, je vous préviens que si vous voulez écouter des musiques assez stylées qui sont connues, bah, vous pouvez activer la musique et c'est directement dans le pack. Donc, voilà. Et la qualité de l'audio et tout, ça va, elle est vraiment pas dégueu. Ouais, je vous le dis juste. Comme ça, au cas où, sinon je vous laisse découvrir par vous-même. Après, hein, le reste, je vous présente quand même un maximum de choses. Donc, allez, c'est parti. Je fais de la merde comme d'habitude. Ici, il faut que j'aille. Voilà. Alors, on commence par l'épée en bois. Toutes les épées sont tirées d'un autre pack. C'est pas des épées voilà, qu'il a fait lui-même. Donc, l'épée en stone. La gold, l'iron et la diamante qui lui par contre celle-là a été bah, fait par lui-même je pense. Je l'ai jamais vu nulle part, elle est vraiment stylée. Voilà donc il y a une petite tête de mort, tout ça c'est une épée un peu en mode pirate à l'ancienne. Franchement moi je la trouve vraiment stylée, en plus elle est petite, enfin je sais pas comment dire pour PvP, elle est vraiment bien et elle est jolie. Il y a juste par rapport aux autres épées, bah je trouve que c'est un peu bizarre, on passe d'un, enfin ça va pas trop avec le thème je trouve. Là c'est des épées vraiment bah je sais pas, d'un autre thème, d'un autre style, et puis d'un coup bah, il nous met une petite épée en mode pirate, j'ai pas trop compris, mais en tout cas elles sont toutes stylées. Puis les pendiamantes, franchement moi je la trouve vraiment stylée. Elle est vraiment belle et pour PvP c'est parfait. Les soupes il les a mis en bleu, voilà pour ceux qui aiment les soupes, ça reste basique. L'arc qui est comme ça. Voilà, la boussole, voilà pour les 2-3 items, le briquet qui est stylé, qui est en plus animé, voilà. Tac, on va prendre aussi l'underpearl, merde ça, on va essayer les underpearl, j'ai même HQ activé. L'inventaire en même temps, tiens on va vous faire ça aussi en même temps, tac. Ah j'ai oublié de vous montrer là, l'inventaire à chaque fois de table d'enchant, tout ça, s'il y a des inventaires stylés. Les cœurs qui sont violets, les underpearls, donc regardez, voilà c'est des underpearls ossus. Game mode. Boom. Donc voilà les épées, les outils, qui sont comme ceci. Les armures que je vais vous montrer directement, qui sont hop là-bas. Voilà pour l'armure en diamant. Armure en diamant qui est pas trop édite. Ça vient de je sais plus quel pack. Je crois qu'il a dû la. Ouais, il a dû la modifier. Vraiment un tout petit peu un chouïa. Mais ça reste une armure basique. Il n'a pas fait trop d'édite dessus. L'armure en fer, c'est pareil. Bah, c'est la même façon. C'est juste ça change de couleur. Tout ça, voilà, normal. Et l'armure en or, c'est pareil, sauf que voilà, ça devient jaune, etc. etc. On va aller regarder les particules. Tac. Donc l'eau, le feu qui est comme ça, un bleu. On va faire les potions. Donc je suis désolé, je vous sors cette vidéo de présentation de ressources pack qui est un peu tard aujourd'hui, parce que je me suis levé tard, tout ça, enfin. Et puis j'ai un peu fait de la merde, j'avais pas trop le time, et je me suis pris un peu trop tard. Du coup, je vous la fais un peu tard la vidéo. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc voilà pour les particules. Je vais vous montrer les minerais. Comme ceci. Par contre, écoutez, il y a un truc qui arrête pas de faire. Hey, je sais pas quoi, je crois que c'est PNJ. Ouais. Dès que je m'approche, c'est PNJ. Il gueule ça. Ouais, ça me faisait peur tout à l'heure. Je me demandais ce qui se passait. Il a mis un sale son bizarre pour PNJ. J'ai pas compris le délire. On va regarder les blocs. Les blocs, je sais pas, ils sont tirés de quel pack, mais c'est vraiment stylé comme vous pouvez voir. Ouais, franchement, ils sont super jolis. Je sais pas c'est quoi le pack pour les blocs, mais vraiment pas mal. Le bois, la grâce, tout ça, la stone, vraiment stylé.
Les champus ils rendent pas mal. Voilà, voilà. Ce qui est du désert, jungle. Vraiment stylé les biomes. Panorama quand il fait jour, panorama assez basique avec des nuages et tout, ça reste stylé. Le soleil qui est comme ça. Je sais plus c'est quel jeu ça, le soleil comme ça. Je sais plus du tout. Mais c'est si. Et la nuit, pareil, un panorama enfin assez basique, on a déjà vu, mais il reste vraiment magnifique. Et avec cette fois-ci, bah la lune qui est. Ouais, je crois que c'est tiré d'un jeu ça, mais je sais plus c'est quoi le jeu. Si vous savez, dites dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que bah, le pack va vous plaire. Je vous mets tout dans la description comme d'habitude. Le lien du pack ainsi que l'auteur. Non, je crois pas qu'il a de chaîne lui. Je vais juste vous mettre le pack parce que je crois qu'il a pas de chaîne. Je regarderai vite fait, mais je crois pas. Du coup, bah non, parce qu'il m'a envoyé directement le pack, il a pas pu filmer, donc du coup, ouais, je pense qu'il a pas de chaîne. Enfin bref, donc je vous laisse sur la séquence PVP. Bon visionnage pour la séquence PVP. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, c'était Bislid. Me low. Yeah.